Salut, c'est Régis d'Aventure Nordique. On se dirait dans une émission télécrochée et pourtant c'est bien pour vous présenter la BCX Transnordique Waterproof. Choix de mon prompteur parce que je la connais pas bien cette chaussure. Non, en vérité c'est une chaussure qui s'inscrit dans la tradition puisque vous avez peut-être connu les anciennes BCX 6 et il y a eu une myriade de versions et là on est sur une version qui est bien plus aboutie avec une version en cuir, donc il y a même le petit logo là de la vache qui vous attendait pour aller skier, un système de serrage par lassage qui remonte bien haut, hein. Vous avez vu la tige elle est haute, donc ils l'ont remontée et ils ont enlevé les colliers de serrage qui finalement sont compensés par une tige haute mais aussi rigide. Je sais pas si vous voyez là en termes de torsion. Ça présage d'un bon maintien et d'un bon contrôle directionnel du ski, avec un petit système de réglage ici pour apporter un peu plus de souplesse. Donc au niveau des matériaux, on a du cuir, on a une membrane Gore-Tex qui va permettre d'imperméabiliser, et un chausson qui s'appelle le chausson Comfort Guard Insulation. Donc en fait, on voit ici, hein, c'est un confort qui est super agréable au contact de la peau, enfin de la chaussette, du pied. Et surtout qui est isolé. Donc si vous avez froid au peloton, c'est peut-être cette chaussure qu'il va vous falloir. En vrai, Fisher, là, ils ont réussi un beau modèle qui offre un excellent rapport qualité-prix pour une pratique de la rando nordique avec une norme NNNBC. Donc ici, on a le rail qui vient s'insérer dans la fixation de l'NNBC. Voilà, je vous ai fait une présentation. N'hésitez pas à consulter la fiche technique ou à nous contacter si vous avez besoin de conseils supplémentaires. Bonne glisse et à bientôt. Salut!